Il y a l'idée d'avoir construit dedans aussi. L'Amazone. Pérou. On a trouvé l'avion. Je suis désolée. Non? Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit: chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Détour. Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague. Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hey, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment? Les deux, Mais les oui. jumelles. J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin. On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouakia. Allons-y. Oh là 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 là. Oh! C'est du gros, c'est du gros gaillasse, ça, hein! En plus, il avait raison! Retour à la cinématique du début. Bye bye, Jonah! Il avait grave raison en plus. Pourquoi il n'a pas écouté? Tu vois, elle a l'air d'être un peu têtue. Merde, je me trompe de touche. C'est pour ça qu'il faut attacher sa ceinture. Et le pilote, il n'est plus là. Oh, il y a des singes. Un peu gros le singe. Bon, l'atterrissage va faire mal, hein. Si tu me dis qu'elle a son matos. Elle a combien de t-shirts au total?
Parce que depuis tout à l'heure, c'est le même. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'est ça. Parce qu'on a eu... Ce poignard est la clé de chaque shell. À côté de lui figurait cette inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. C'est qui? Chaque shell et Ishel, c'est pas la même personne. Et c'est même pas Ishel, il est 9, ça fait 9. Il est X. Chaque chaise, c'est le dieu. Mais ouais, mais après il dit Ishel. En fait, chaque chaise, c'était le dieu, il me semble, de la lune ou un truc comme ça. Et Ah oui, c'est Chixel. vrai. T'as raison, de la pleine lune et je sais plus c'est Ouais, quoi c'est ça. l'autre. Je sais plus c'est quoi, mais Docteur, c'était le dieu de comment la m'aider? Un lune archéologue et sensible, la lumière de la un lune, vaillard non, peut-être passionné. l'autre. Mon père le mentionnait Un truc comme ça, régulièrement ouais. dans ses carnets. C'est la piste qu'on suivait avec Jonah quand on est arrivé à Cozumel. Son site de fouille là-bas est l'un des derniers où s'est rendu mon père avant sa mort. Si jamais il y a un lien, je veux le découvrir. Je croyais que le docteur Dominguez était à la tête d'une cellule locale des Trinitaires. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était en réalité le chef de leur haut conseil. Ishel et Shakshel sont les deux visages d'une même déesse. Ishel est une jeune femme qui symbolise la vie et la guérison. On l'associe à la pleine lune. Shakshel est une femme plus âgée et représente la mort. Elle est associée à la nouvelle lune. Ensemble, elles symbolisent la dualité et le cycle de la vie et de la mort. Stylé. Ces deux visages d'une même déesse. Genre en mode Sans visage. doute. Hein? Je disais, on dirait une déesse hindoue, Kali. Bah ça se trouve Genre, il y a un c'est autre groupe, inspiré hein. parti Je quelques jours pense hein. après la procession principale, a raconté que des choses étranges s'étaient produites en chemin. Les animaux devenaient de plus en plus féroces et la jungle elle-même paraissait plus dangereuse. Les arbres et les lianes étaient encore plus densément enchevêtrés et portaient des épines longues comme des doigts et acérées comme des lames. Métamorphose. Ok. Ben oui! C'est parti. Une photo du docteur Dominguez. Bah, ben, on l'a déjà lu. T'as froid, Lara, pour être comme ça, ou... Après, elle est en débardeur, elle aussi. Tu vas aller te laver? Je pense que c'est le moment. Ah non, elle va aller se soigner. Ah, Bégal, comment dire? Oh. C'est quelqu'un qui avait ce boucan là. Ça pourra servir. Bah non, il fout de lui, hein. Il y a un animal là. Hein. Je vais garder ça pour plus tard. J'ai pétale de la plante à feuille utilisée pour réaliser des ressorts d'herboristerie de concentration. Compris. Où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. Bah, pourquoi il monte les oiseaux, je dois les bouffer? Ça me dérange pas. Hein. Moi, Miguel, je pense qu'il est mort. Hein. C'est une pierre dans la gueule, le J'ai quand pauvre. même pris un gros caillou dans la tête. De ouf. Monnaie d'argent. Et il serait Je me proche. rapproche. Ah bah il est là. Et il serait proche de moi en vrai. Y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Ça y est, on est Tarzan On maintenant. dirait dans les films. Ouais, une fusée de détresse. Je sais pas comment l'autre il a survécu. Je peux pas sauter jusqu'à là-bas. Si.
J'ai cru qu'il y avait une plume pour voler. Ouais, moi aussi. Lara, faut grimper, ma belle. Oh, il y a des singes. Des singes. On va attaquer les singes à la fin. Je suis comme vous, les gars. En hauteur, c'est qu'il y a un moyen pour descendre. C'est ça. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Bah, Jonah, il a pas pu faire ça en aussi peu de temps. Débris de C'est pas. l'avion. Donc, comment le mec, il est là, il a déjà fait ça? Pour moi, c'est pas lui, wesh. Carnet de vol d'un avion. Genre, en mode, ce serait une sorte de triangle des Bermudes? Peut-être, hein. Un mouchoir. Bah, super, un mouchoir, quoi. Il porte le monogramme Si tu veux te moucher. probablement les initiales de Percival Harrison Fawcett. Percival Harrison Fawcett. Je sais pas qui c'est, mais bon. J'ai pas de couteau, je suis censé avoir un couteau où, moi? Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Wow. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Je dois arrêter ces cataclysmes avant qu'il ne soit trop tard. Débloquer des compétences. Choisissez une compétence à apprendre et à sectionner une case bleue, rouge ou verte. Les compétences avec les bordures blanches ont été achetées. Les cases sombres seront déverrouillées lorsqu'une compétence adjacente sera achetée. Certaines compétences doivent être trouvées et ne peuvent pas être achetées. Alors, frappe du serpent, réaliser. Oh, c'est tout petit! Réaliser une élimination furtive sans alerter les ennemis proches. Ah, ça c'est bien intéressant ça. Souffle du caïman. Augmente votre apnée en nageant. Augmente votre vitesse en nageant. Je pense que l'apnée, c'est intéressant. Après, on nage pas forcément beaucoup. Là, on est qu'au début, tu vois. Fouille automatiquement les ennemis tués. Ça, c'est pour les feignants. Ça, c'est mieux, le fouille automatiquement. Oh, c'est tellement chiant d'appuyer. Fabriquer une flèche d'appât attire et les tuer les ennemis proches avec un. Venin de vipère. Ok, c'est avec l'arc. Nid de la vipère augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez. Hein. Pas du oisin réduit les bruits des sauts, etc. Des réceptions et des chutes. Vue de l'aigle. Révéler des artefacts et des monolithes, des coffres, nanana, nanana, sur la carte et les sacs, nanana, en utilisant l'instinct de survie. On va augmenter ça. Révéler les objets de défi en utilisant l'instinct de survie. Révéler les pièges en utilisant l'instinct de survie. Oh, les pièges. C'est intéressant, les pièges. Eh ben, j'en ai plus. Localiser le cœur d'un grand animal. Comment ça, le cœur d'un grand animal? Gagner la capacité de donner des sécrétions toxiques. Ouais. Et en rouge, c'était quoi? Précision augmente lorsque vous maintenez un tir. Activer l'assassinat visuel quand Lara vise la tête d'un ennemi. Lara ne glisse plus en s'agrippant en corniche. Réduire les dégâts quand vous tombez de haut. Ok. Et après, le reste, c'est indisponible. Bon, alors on sait que les feux de camp, ça nous permet d'améliorer des choses. Reviens là. Un capybara qui a couru.
Je dis que c'était un capybara, ça se trouve, Il y en c'est a pas un un autre qui est mort capybara. normalement. Tu penses que ça, c'est un capybara? Ah ouais! Ah, j'avais pas compris ce que c'était. Oh! Bah si, Ah, j'avais pas regarde la compris ce que tête. c'était. Ouais! Oh! Attends! Mimi! Un bout de l'avion a atterri là. Mon matériel, il y a peut-être moyen de Bichette, décaler viens encore un de ces ici. débris. Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. Ah, faut qu'on Je peux pas retienne. ouvrir ça à main nue. D'accord, faut qu'on retienne que quand je vais avoir mes outils, faut que je revienne en arrière. Elle va dire que j'ai pas mon outil. Mais c'est du bois, elle peut le décapiter avec sa jambe. Ou le balancer, mais pas envie quoi. Défi tombeau. C'est quoi un défi tombeau? C'est quoi un défi tombeau? Herboriste. Plante récupérée. 5. Pourquoi il y a ça? Je suis grave en train de m'éloigner de la cible. Hein. Je suis en train de partir en stacks. Ça y est, ça a un monde ouvert. Après, t'as pas le choix, tu essayes de trouver. Ah, j'ai pas mon piolet. Bon, je vais aller récupérer mes affaires. Faut tout avec mon matos, quoi. Attends, merde. Oh, bah, je les ai perdus de vue. Deux. Quatre. J'ai l'impression d'avoir déjà fait quoi. Et 5. Je peux pas ouvrir ça à main nue. Ça me plume quand elle fait genre elle cherche. Ouf. Ah, ça c'est le... C'est d'avant. Qu'est-ce que tu fais, Lara? Bah, dans quel but? Vrai. Pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi elle l'a mis dans l'eau? J'ai pas compris. J'ai pas compris la DA. Justement, moi j'aurais cherché à l'intérieur. Feuille de maca. Pour se soigner. Senna. Pour réaliser des recettes d'herbeau, machin. Herboriserie. Oh, mais attends, mais. Je sais pas ce qu'elle va faire avec ça en fait. Eh ben voilà. Je suis en train de me faire attaquer par une aiguille, hein.
Et maintenant, on a un couteau, on peut tout ouvrir. On revient en arrière, on va ouvrir tout ce qu'on a à faire. On a eu de la peau pour fabriquer des tenues. Ah, il serait temps de s'habiller. Bon, c'est émoussé. Je dois trouver un moyen pour pas qu'elle ait froid, je pense. Ça manque de tranchant. Récupérer des aiguilles de couteau. Ça manque de tranchant, elle a dit. Ouais, pour pas qu'elle ait froid, ouais. Y'a pas une caisse tout à l'heure ici? Ah. C'est pile ce que je cherchais. Ok, il deux. Faut juste un peu plus. Ah non, je vais pas le tuer. Je dois trouver des caisses, mais honnêtement, je n'en vois plus. N'hésite pas à me dire hein, si tu vois une caisse. J'ai tout ce qu'il me faut. Bah là, Je à devrais gauche, retourner voilà. au campement. Elle a dit de retourner au campement là maintenant. Explorer pour trouver l'entrée du tombeau. Inventaire. Un couteau. Oh, ce... Ah. C'est quoi ces tenues? Bah écoute, c'est Lara Croft de Tomb Raider, blouson de l'aviateur, t'as Tomb Raider 2, Ange des ténèbres. Je pense on va regarder notre Lara Croft à nous. Bah, je préfère son truc actuel, hein. C'est quoi ces têtes, wesh? Ils ont abusé sur la poitrine, par contre, hein. Ça à l'époque, ouais. Est-ce qu'on a de quoi augmenter les compétences? Non. Je t'ai fait un couteau de malade. Hein. Ça devrait être assez coupant. On va aller récupérer notre stuff. Le conteneur est encore retenu par un truc. Ah, voilà, il y avait une autre corde. Ça me fait penser à au jeu de singes, là, The Génial. Je peux récupérer mon que je dois finir équipement. depuis... Enfin, finir, qu'on doit Oui. avancer. En plus, j'aimais beaucoup ce jeu. On n'a plus jamais rejoué. On a été bloqué, je crois. Il faut qu'on trouve Kevin, hein. Moi, j'ai aussi été bloqué à un endroit, mais plus loin. Mon arc. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit? Ah, oui. Je vous pose la question. On a un talkie, on a une oreillette. Miguel, où tu es? Oh! Merde! J'ai plus de piles.
Genre là, je sais que je peux créer un Mais il est où truc. l'autre? Il est mort? Qui? Ah non, merde. C'est pas ça. Son pote. Ah non, merde. Jonah? Oui, lui. Bon, écoute, on sait pas, hein. C'est lui qui s'est barré le premier, donc... On va voir, hein. Là, je fais ma Lara Croft, hein. S'en bat les couilles de ses amis, elle va explorer un temple. Ah non, merde, faut le piouler. Oh, putain. Ça me fume encore explorer un temple, Ah non, ça me merde. fume. On sait qu'avec vos couteaux, ça allait aller. Allez, c'est-y, part. Hop là. Regarde bien dans le vide. Si on tombe, c'est la mort. Wow, j'ai fait tomber. Oh. Miguel, où tu es? Ah bah j'ai le temps de me laver. Oh non. Il y a une bête, hein. Bah écoutez, si vous voulez survivre, il faut pas suivre le sang. C'est tout l'inverse que de ce que tu fais. Miguel? On va retrouver notre pote. Oh merde. Je sais pas quel humain est mort, mais... Un piège. Ah. Alors, bonjour. C'est Miguel? Ouais, c'est Miguel. Non, je pense pas, mais... Enfin, je sais pas. Mais bonjour. Alors moi, c'est Lara. Et toi? Tu feras un joli tapis dans ma maison. Oh! Bah en fait finalement, j'ai changé d'idée. Oh, bah en fait Merde, finalement. derrière! C'est ouf. C'est moi qui ferai un joli tapis, vous avez raison. Merde. Chier.